Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'ai besoin d'avoir du soleil. J'ai besoin de prendre des bains de soleil, c'est hyper important. Peut-être que j'ai été lézard dans une autre vie, mais je vous encourage, dès que vous pouvez, à prendre justement tout ce soleil. Et j'aime bien, moi, c'est le soleil du matin. Alors là, je suis à la plage, il n'y a personne, il est très tôt, le soleil se lève, mais c'est tellement agréable. Et c'est chouette aussi d'avoir ces moments de solitude, ces moments où on peut se retrouver dans son esprit, dans son corps, ces moments où on peut méditer, où on laisse son esprit vagabonder. Et je crois que c'est, malheureusement, c'est des choses qu'on n'a pas assez dans notre société, on ne s'autorise pas, et encore moins quand on est maman, je pense. On donne beaucoup à nos enfants, et c'est normal parce qu'on les aime, mais on a tendance à s'oublier, nous, en tant que femmes. Et c'est ça qu'il va falloir retrouver, je pense. Ces moments de calme, ces moments d'introspection, c'est nécessaire pour faire le point. C'est important pour notre équilibre. Et là, ces derniers temps, j'en avais pas pris assez pour moi, donc je suis vraiment contente d'avoir pris ces quelques instants et puis de vous en faire partager aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on manque littéralement de nature. Quand je parle, moi, d'un retour à l'essentiel, ça passe par le minimalisme, par plein de choses, vous le savez, mais je crois que c'est aussi ce retour à la nature. J'ai besoin de me sentir en connexion avec le sable, avec la terre, avec la forêt, mais qui est juste magnifique là où je suis. Et faire des bains de nature, faire des bains de forêt, là c'est pareil, je vous encourage à le faire chez vous, dans vos forêts, aller faire des câlins aux arbres. Moi personnellement j'adore ça et c'est ce qu'on fait avec Noah depuis qu'il est petit, respirer dans ces endroits et se retrouver, c'est très important. Thank you.
savez, un truc qu'on ne fait plus non plus, c'est prendre le temps. Prendre le temps de ne rien faire. S'autoriser à ne rien faire. L'art de ne rien faire. Ben, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien et pour rien au monde, je regrette ma vie d'avant. J'ai même encore envie d'avancer dans celle-là, d'avancer dans nos choix, dans nos prises de décision. C'est ça la vie, hein, c'est décider. Quelle décision? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, vraiment, ben, je pense qu'on va aller plus loin. J'ai envie de plus. Et je suis déjà tellement contente de ce qu'on a là. La chance incroyable que l'on a. C'est... Mais regardez, c'est top. Vous vous rendez compte, là? D'être là, tranquille, le matin. Et j'ai cet espace rien que pour moi. Et je vous en fais partager aussi. Et si, je le partage quand même avec les animaux et les hirondelles, là. Vous les voyez pas parce que c'est tout petit, ça passe vite, mais elles sont là, elles sont en train de chasser, là, ce matin. C'est vraiment top. Allez, je vous emmène voir la mer. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que là, voilà, bord de mer, forcément, hein. Il y a du vent, il y a des vagues et là on est en pleine côte atlantique et c'est ce que j'aime. Il y a toute la force, toute la puissance de la mer là derrière de l'océan et c'est magnifique. Franchement j'adore venir ici quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand il y a du vent, après des tempêtes et j'aime bien trouver mes trésors de nature quand on va se promener. Sur la plage mais regardez ça quoi, voilà, quand on change de vie et qu'on s'autorise voilà à vivre ses rêves, ça donne ça. Donc allez-y vraiment mais à fond la caisse, la vie elle passe vite donc on mérite d'avoir la meilleure des vies quoi, franchement. Et quand on est face à ça, on se sent tout petit. Ça nous remet à notre place en tant qu'humain. On n'est pas là pour dominer les autres et dominer le monde. Malheureusement, c'est ce qu'on fait et c'est ce que certains font. Mais j'ai bon espoir que les choses changent, alors profitons. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même avec le vent. Voilà le genre de choses que j'adore, la pomme de pin. La pomme de pin, elle a une forme extraordinaire. J'aime énormément. En fait, j'aime beaucoup aller glaner dans la nature des choses comme ça pour faire des petites décorations éphémères, juste pour prendre le temps d'admirer. Parce que regardez la beauté. Regardez ça. Moi, je trouve que la pomme de pin est merveilleuse. On a oublié de regarder la nature. On a oublié de regarder ce qu'elle nous offre. Comme prendre le temps de regarder une fleur, de regarder ce qu'il y a autour de soi. On a oublié tout ça. On est dans une consommation perpétuelle. Et revenir juste à des choses simples comme ça.
Donc voilà, moi une belle pomme de pin, bah, ça me suffit. Je suis contente et je suis heureuse juste avec ça. Bon allez, il est temps pour moi de rentrer à la maison et il commence à faire chaud là, le soleil se lève, il se fait de plus en plus chaud et il y a des gens qui arrivent. Moi j'aime bien quand je peux avoir la plage rien que pour moi, donc je remballe tout ça, j'espère que cette petite promenade vous aura plu, vous aura fait du bien. Prenez soin de vous et prenez du temps dans la nature, prenez du temps pour vous, pour rêver et surtout pour croire en vos rêves.